Pourquoi les saisons? Why do we have seasons? Une saison est un moment de l'année avec un climat et une végétation particulières. Elles ne sont pas partout les mêmes. Selon la position géographique et la culture des pays, les saisons sont découpées de manière différente. A season is a time of the year with a specific climate and vegetation. They are not the same as each other everywhere. According to its geographic location and the country's culture, seasons are divided in different ways. Pour rappel, la Terre fait un tour complet sur elle-même en 24 heures, c'est la rotation. Elle fait également le tour du Soleil en 365 jours, soit une année. Tu peux regarder la vidéo « Pourquoi le jour et la nuit ?» pour plus de détails. Just to remind ourselves, the Earth makes a complete rotation on its axis in 24 hours. It also rotates around the Sun in 365 days, a year. You can watch a video on why we have day and night for more details. Le rayonnement solaire n'arrive pas partout de la même manière sur notre planète. Les rayons sont très directs et très forts au niveau de l'équateur, qui est une ligne imaginaire au centre. Ensuite, ils sont moyens, ce qui donne une zone tempérée. Finalement, près des pôles, les rayons sont longs, donc moins puissants, car ils touchent une surface plus grande. Il fait très froid. The sun's radiation doesn't reach our planet the same way. The sun rays are very direct and strong on the equator, which is an imaginary line along the center of the planet. As they reach further away from the equator, they are average, making it a more temperate area. Finally, near the poles, the rays are longer, therefore less powerful, as they touch a larger surface. There it is very cold. La Terre est un peu inclinée. C'est pourquoi, selon les moments de l'année, certaines parties de la planète sont dirigées plus directement vers le Soleil. C'est ce qui donne des saisons différentes selon les régions du monde. The Earth is slightly tilted, which is why certain parts of the planet are gravitated directly towards the Sun, according to different times of the year. Therefore, this gives us our seasons in various regions around the world. Puisque la Terre tourne autour du Soleil, son orientation change sans arrêt. Quand un des hémisphères est orienté vers le Soleil, il est éclairé plus longtemps. C'est donc le printemps et l'été. Quand ce même hémisphère est incliné dans la direction opposée au Soleil, il fait plus froid, c'est l'automne et l'hiver. As the Earth rotates around the Sun, its direction constantly changes. When one of its hemispheres is directed towards the Sun, it is illuminated for longer, which is therefore spring and summer. When its same hemisphere is tilted away from the Sun, it becomes colder, which is autumn and winter. Regarde bien cette image pour mieux comprendre. Look closely at this image to better understand. Une saison. One season. Au plus près de l'équateur, il n'y a qu'une seule saison, la saison équatoriale. Tout au long de l'année, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. La lumière et la chaleur restent identiques. La saison est humide et chaude, et cela ne change jamais. Close to the equator, there is only one season, the equatorial season. Throughout the year, there are 12 hours of daytime and 12 hours of night. The lighting and heat remain identical. This season is always hot and humid. Deux saisons. Two seasons. Dans les zones avec un climat tropical qui sont situées de chaque côté de l'équateur,
Il fait chaud toute l'année. Il y a deux saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Proche de l'équateur, comme il pleut plus, la forêt est abondante, mais plus loin, la saison sèche est plus longue et le paysage est plutôt de la savane. In the zones with a tropical climate, which are located on either side of the equator, it is hot throughout the year. There are two seasons, the rainy and the dry season. As it rains more near the equator, the forest is abundant, but further away, the dry season is longer, and therefore the landscape is similar to a savanna. Deux saisons, two seasons. En été, comme l'hémisphère nord est incliné vers le soleil, les régions autour du pôle nord reçoivent chaque jour beaucoup d'heures de soleil et le soleil ne se couche pas durant plusieurs semaines. L'été dure 3 mois. En hiver, c'est le contraire. Il y a très peu de lumière et le soleil ne se lève pas durant de nombreuses semaines d'hiver. L'hiver dure 9 mois. Dans les régions polaires de l'hémisphère sud, ce sont les mêmes changements saisonniers mais aux périodes opposées de l'année. In the summer, as the North Hemisphere is tilted towards the sun, the regions around the North Pole have long hours of sunlight each day, and the sun doesn't set for weeks. Summer lasts for 3 months. In winter, it is the opposite. There is very little light, and the sun doesn't rise for numerous weeks. Winter lasts 9 months. In the polar areas in the southern hemisphere, there are the same changing seasons. However, they occur at opposite times of the year. Quatre saisons. Four seasons. En général, en Occident, dans les zones de climat tempéré, il y a quatre saisons de 3 mois chacune. Au printemps, la température augmente, la végétation se développe. En été, les jours sont longs, il fait chaud. En automne, la plupart des arbres perdent leurs feuilles, la température baisse. En hiver, il fait froid, les jours sont courts et selon les régions, il peut neiger. In general, in the West, there are four seasons that each last 3 months. In the zones with a temperate climate. In spring, the temperature rises and vegetation grows. In summer, the days are longer and it is hot. In autumn, most trees lose their leaves and the temperature drops. In winter, it feels cold, the days are shorter and it can snow depending on the region. Six saisons, six seasons. En Inde, il y a 6 saisons de 2 mois. Le printemps, l'été, la mousson, l'automne, le début et la fin de l'hiver. In India, there are 6 seasons lasting 2 months each. Spring, summer, monsoon, autumn, the start and the end of winter. 24 périodes. 24 periods. Quant au Japon, la Chine, la Corée et le Vietnam, il a été décidé de partager l'année en 24 périodes de 15 jours. Whereas in Japan, China, Korea and Vietnam, it was decided to divide the year into 24 periods of 15 days. Ne manque pas la prochaine vidéo sur les climats de la Terre qui te donnera encore beaucoup d'autres informations très intéressantes sur les différents climats de notre planète. Don't miss the next video on the Earth climate which offers more interesting information on the various climates of our planet. Remerciements Marie et Natasha. Thanks to Marie and Natasha. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et n'oublie pas de t'abonner.
If you liked this video, don't hesitate to share and don't forget to subscribe.